Alors bonjour tout le monde, c'est MultiTouching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jailbreaker le 4.2.1 avec Red Snow 0.9.6 bêta 4. Alors le 4.2, c'est la mise à jour pour tous les iDevices, y compris l'Apple TV, et bien qui a été délivrée au public par Apple hier. Donc je vous rappelle un peu les mises à jour, il y a AirPrint, AirPlay et de nouvelles choses. Et la dev team s'est empressée de créer un jailbreak qui est le premier et Red Snow. Donc je vais vous montrer comment le jailbreaker. Alors tout d'abord, vous allez aller sur... Donc déjà je vais vous montrer que je suis bien en 4.2.1, il faut que vous soyez en 4.2.1. Voilà, donc là je suis général, information, version 4.2.1. Alors, c'est pas disponible, enfin le jailbreak est Untethered et Tethered, mais pour certains appareils. Alors, il est Untethered pour le iPhone 3G. Il n'y a bien sûr plus de jailbreak pour l'iPhone 1G, puisque l'iPhone 1G ne supporte pas l'iOS 4.0. L'iPhone 3GS est supporté, l'iPhone 3GS, ancien Bootrom ou iBoot, est Untethered. Les nouveaux iBoot, il est Tethered, c'est-à-dire qu'il faut le redémarrer avec son ordinateur. L'iPhone 4, c'est Tethered. L'iPod Touch 2G modèle MB, c'est Untethered. L'iPod Touch 2G modèle MC, c'est l'iPod Touch 2G modèle MC, c'est Tethered. L'iPod Touch 3G, c'est Tethered. Et l'iPod Touch 4G, c'est Tethered. Alors moi, je vous conseille pas de les jailbreaker quand vos iDevices ne peuvent pas être jailbreakés seulement en Untethered. Quand ils sont en Untethered, je vous conseille, mais quand ils sont en Tethered, je vous le conseille pas parce que c'est chiant à chaque fois de redémarrer. Donc là je suis bien en 4.2.1, je suis pas jailbreaké. Voilà, il n'y a pas de Cydia. J'ai pas SB Settings. Donc je vais vous montrer comment le jailbreaker. Alors, il va nous falloir télécharger Red Snow 0.9.6 bêta 4 et le firmware iOS 4.2.1. Donc moi il est en train de se télécharger, c'est pas grave, je couperai la vidéo et je la reprendrai dès que ce sera terminé. Donc les liens sont disponibles en bas dans la description ou dans le blog que j'ai fait sur mon site internet multitouching.webs.com. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, donc déjà vous serez avec une archive. Donc moi j'ai décompressé cette archive et ça m'a donné ce dossier. Donc voilà. Donc là vous avez trois fichiers README, License, Credits. Le plus important c'est Red Snow, l'application exécutable. Donc vous double-cliquez, voilà. Et là on arrive sur notre mythique fenêtre de Red Snow. Donc je vais couper la vidéo, je vais la reprendre dès que le téléchargement de mon firmware sera terminé. Je vous rappelle quand même que là je suis avec un iPod Touch 2G. Donc voilà, donc je remettrai la vidéo dès que... ce sera terminé, le téléchargement. Donc voilà, le téléchargement a terminé. Donc, je vais rouvrir le logiciel. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai mon iOS 4.2.1. Donc, le jailbreak est aussi disponible pour les 4.2. 4.2 ou 4.0.1, ça change rien. Donc, on sélectionne son IPSAO, Live My Processing Firmware. Là, il va me dire, est-ce que votre iPod Touch 2G est un modèle MC ou un modèle MB? Vous dites que c'est... Bah, moi, c'est un modèle MB. Donc, je clique sur non. Si vous êtes un modèle MC, vous faites yes. Par contre, si c'est un modèle MC, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera Untethered. Si vous cliquez sur le mauvais... si vous cliquez sur la mauvaise case, et ben il vous mettra la fin du jailbreak en DFU Loop, qui est un mode de récupération en cas d'erreur. Donc là on clique sur Next, donc il va nous patcher le noyau de notre firmware. Voilà, donc là moi je vous conseille de brancher votre iPod Touch ou votre iPhone d'ailleurs. Voilà, donc voilà. Alors là on a
Install Cydia. Donc, moi je l'installe. Install Custom Bundle. Je vais quand même l'installer. Alors, non, je vais pas l'installer. Ça, c'était parce qu'auparavant, on ne pouvait pas. Cydia n'était pas supporté. Enfin, je sais plus, il y a une histoire. Moi, je vous conseille pas de le cocher. C'est pas indispensable. Verbose Boot, si vous voulez qu'il y ait des lignes de code quand votre iPod Touch redémarre, ou votre iDevice plutôt. Custom Boot Logo, c'est si vous voulez qu'il y ait à la place de l'iPhone d'Apple un logo spécial. Alors, si vous voulez ça, il faut que votre image fasse 320 sur 480 de taille, que ce soit une image avec en mode RGB ou grayscale et qu'elle soit en PNG. Enable multitasking, c'est si vous voulez qu'il y ait le multitâche. Moi je vous conseille pas sur les iPod Touch. Alors après, si vous avez un autre iDevice, je vous le conseille. Par contre, l'iPod Touch 2G et l'iPod Touch 3G, je vous le conseille pas. Ou l'iPhone 3G aussi. Home screen wallpaper, c'est pour avoir derrière son sur son springboard, derrière un fond d'écran. Battery percentage, c'est pour avoir à côté de sa batterie dans la status bar, eh bien le pourcentage de batterie. Moi je coche home screen wallpaper. Alors, ensuite je suis dans next. Et là ils me disent mettez votre iPod Touch. Donc déjà il faut qu'il soit branché à votre iPod. Oh mince, qu'il soit branché à votre iPod. Voilà, donc là j'éteins. Donc il faut qu'il soit éteint. Alors maintenant la procédure, elle est connue. Je vais vous la montrer. Donc il va falloir cliquer 3 secondes sur le bouton haut, 2 secondes sur les deux boutons. Voilà, 8, 7, 6. Donc voilà, là je vais le refaire parce que j'ai raté. Donc vous attendez que votre... ça va redémarrer. Donc en gros, c'est un peu un DFU mode. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Please make sure your iDevice is both off. Donc s'il vous plaît, êtes-vous sûr que votre iDevice est bien éteint et plugué à votre ordinateur. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez être sûr. Alors surtout, il faut bien qu'il soit éteint. Sinon vous pouvez rencontrer des erreurs. C'est pas vous pouvez ne pas en rencontrer, mais on sait jamais. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu la procédure pendant que mon iPod s'éteint. Alors il va falloir appuyer 3 secondes sur le bouton du haut, 10 secondes sur les deux boutons. Donc quand je parle des deux boutons, c'est celui du milieu et celui d'en haut. Et ensuite, je relâche celui d'en haut et je mets celui du milieu. Alors, je vais y aller. C'est pas obligatoire de faire celui en haut pendant les 3 secondes. Moi, je trouve pas forcément ça indispensable. Ça ne m'a jamais... Voilà, donc là, j'appuie sur les deux boutons. 9 secondes, 8. Vous avez un petit compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Là, je relâche le power button et je maintiens le home button. Donc là, il va me chercher le DFU mode, s'il me le trouve. Et voilà, il met jailbreaking. Et voilà. Donc là, il va le jailbreaker. Votre écran est blanc, c'est tout à fait normal. Là, il y a peut-être votre ordinateur qui va vous dire vous avez un nouveau matériel prêt à l'emploi à installer. Donc là, ça va travailler. Vous le laissez travailler pendant qu'il va appliquer le firmware. Voilà, waiting for reboot. Et là, il va vous marquer done. Il va vous marquer done. Alors, je vais vous montrer après, j'arrêterai la vidéo. Voilà, waiting for reboot. Là, il le patch. Voilà, vous devez avoir cet écran. Si vous l'avez passé. Voilà. Et là, il va vous mettre. Voilà. Et là, vous avez toutes les lignes de code qui peuvent faire un peu peur. Alors, c'est un peu comme ça, le Verbose Boot. Moi, je ne l'ai pas activé. Mais il est possible que ça vous fasse ça. Donc, là, quand vous voyez Done, qui veut dire en français fait, eh bien, vous faites Finished. Voilà. Et là, vous attendez que votre iPod Touch ait fini de ce jailbreak. Donc je coupe la vidéo, je vais la reprendre dès que c'est terminé. Donc là c'est terminé. Donc c'était juste pour vous montrer que là je suis bien sûr Cydia. Donc le jailbreak s'est bien effectué. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à mon canal de YouTube pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos en cliquant sur le bouton s'abonner à droite de la vidéo. Suivez-moi sur Twitter pour vous abonner
Bah, pourra être notifié aussi, mais de toutes les actualités, blog et tout et tout. Et surtout, visitez mon site internet mulitouching.webs.com. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.